Comme je vous l'ai dit, voici mon identité. Sans mon nom de famille, bien sûr. Parce que mon nom de famille, j'en ai deux. Je me nomme Elsie. Allah me dit ce que cela signifie, le sel 95. Et dans la langue des oiseaux, à l'envers, Elsie signifie le ciel. Je me nomme Christelle, ce qui signifie le Christ. Je n'ai pas deux L, E comme les femmes. Je suis un homme dans un corps de femme. C'est pour ça qu'on m'appelle Myriam Ibn Issa. Et oui, c'est dur à vous expliquer, mais je vais vous expliquer. Je suis né le 19-09-19-81-9. Je vous donne Sissi. Et comme nous calculons par 3, cela nous donne Issa. Je vais encore vous expliquer. Je suis né, si vous voyez le jour de 19-09-1981, cela signifie samedi. Je suis né un Shabbat. Donc, je vais vous expliquer les calculs et vous allez comprendre que chaque entité est remarquée sur Terre. Donc, le 19, ça va être S, le 9, I, 19, S et 8 plus 1, c'est 9, ça me donne Sissi. Mais comme nous lisons de droite à gauche, de la droiture, c'est-à-dire de la vérité jusqu'au péché, mon nom se transforme en Isis. Vous voyez ? Voici ma date de naissance. Maintenant, quand nous calculons la date 1981, c'est la date 1. Donc, 1 plus 9, 10, plus 8, 18, plus 1, 19. 1 plus 9 est égal à 1, c'est la lettre A. Donc, c'est la lettre A qui nous donne Issa. Et Sia, c'est mon nom, je vous l'ai dit, au début de la Genèse en Égypte. D'accord ? Je le répète, je vous le remets, parce que là, ça va être très grave. Beaucoup d'égyptologues ne connaissent pas Sia. On va vous parler, mais Sia, c'est Isis. D'accord ? Là, je vous parle de l'esprit. Là, c'est dans un site que les gens ne connaissent pas. Là, vous le voyez. Sia était la personnification divine de la perception, en particulier la perception précise et qui est nécessaire pour comprendre le haq, la vérité. Sia était étroitement associée à Hu, la personnification d'un néon énoncé qui est soutenu par la vérité et l'autorité. Et les deux apparaissent souvent ensemble dans les textes de la pègre. Sia semble avoir été la plus importante des deux, peut-être parce que percevoir la vérité était considéré comme un préalable nécessaire pour parler avec autorité. Selon un mythe de la cosmologie hélopolitaine de l'Énéade, Sia et Hu sont nés de gouttes de sang versées par le phallus coupé du dieu Atum. En fait, vous voyez ça que vous voyez dans le Coran, nous vous avons fait de sperme. Ici, dans l'Égypte, on dit nous, le sang a été versé. Cela a été vu par certains comme une référence à la circoncision. Dans la cosmologie, Memphis, Sia et Hu représentaient le pouvoir créateur de Ptah. Sia était l'esprit ou le cœur de Ptah, d'où la Sourate 36. Tandis que Hu était sa langue, ils sont également liés à Thoth. Beaucoup de gens disent Thoth est un démon. Non. Dans son rôle de divinité de la connaissance est Heka. Heka, c'est la magie noire ou la magie blanche. Voilà, la divinité de la magie. C'est-à-dire que je sais comment défaire les nœuds avec ceux qui pratiquent la magie noire et enlever aussi les nœuds de la magie blanche. Je sais le faire. Bien que ni Sia ni Hu n'étaient adorés, bien sûr, Inch'Allah. En tant que divinités indépendantes, ils sont fréquemment mentionnés dans les textes concernant la religion et la philosophie égyptienne. Les textes des pyramides décrivent Sia comme celui qui est en charge de la sagesse et confirment qu'il porte le rouleau sacré de Ra, le rouleau sacré de Allah, la parole d'Allah. Je dois l'amener à la vérité. Ils confirment également que Hu comme la personnification de l'autorité divine. Dans le livre des portes, Sia et Hu sont les compagnons constants de Ra, alors qu'ils voyagent à travers le monde souterrain. Quand on dit les compagnons constants de Ra, ça veut dire que moi, comme je suis 24 heures sur 24 en prière, c'est-à-dire que je vous répète, j'ai été programmé que pour adorer Allah. Donc c'est-à-dire que tous les noms qu'ils ont changés depuis la Genèse, je le sais. D'où les anciennes vidéos que vous avez vues, l'Uraeus, Devil Hill. Et même dans le monde souterrain, ça veut dire la terre. Les textes du cercueil confirment Sia en tant que narratrice, c'est une femme, et témoin d'événements mythiques. Et oui,
Il donne ainsi un rôle central dans l'important rituel de l'ouverture de la bouche, le daba. Je suis la bête, qu'ils disent. On verra à Elisabeth, on va en venir à elle. Il existe également des exemples où le sort 325 qui fait généralement référence à Heka, la magie, fait plutôt référence à Hu. Allahu Akbar. Les textes de Dendera suggèrent que les images ont été produites conformément aux règles établies par Sia. Et les images elles-mêmes sont appelées les paroles de Sia. Et c'est pour ça que vous avez vu de Sia, ils ont... La langue arabe était la seule qui pouvait dire mon nom, même si c'est Issa. Quand vous dites Issa, ça veut dire 9 septembre 1980. Ah, c'est mon identité. Les gens vont me dire, mais il y a plein de gens qui sont nés le 19 septembre 1981. Oui, il y en a. C'est obligé. C'est des faux semblants. Pour que je passe, bien sûr. Et je le répète, je suis mort-né. Donc, on m'a réanimé. C'est là où je suis venu dans le corps que je suis. Donc, si on en conclut, mes parents, paix à leur âme, mes géniteurs, se sont occupés de moi, alhamdoulilah, dans la sagesse de l'Égypte. Ok, dans la mat. Même si ma mère était métisse, goy, sémite. D'accord? Ce qui semblerait presque combiner des deux concepts, le traitement de Sia et Hu dans les hiéroglyphes mérite également d'être considéré alors que le terme Sia, c'est un terme, signifie toujours perception ou intelligence. Dans l'Égypte ancienne, il existe une double signification intéressante pour le terme Hu. Il peut également faire référence à la parole ou à un énoncé avec autorité, mais peut également faire référence à la nourriture. Il y a un lien évident entre les mots qui sortent de la bouche et la nourriture qui est placée dans la bouche. Le lien semble aller plus loin que cela. Après tout, la formule d'offrande décrit spécifiquement une offrande vocale, renforçant le lien entre la parole et la création magique de la subsistance. D'accord ? Donc, Sia, Issa est le paraclet pour l'arche. Voilà. C'est pour ça que YouTube bloque mes vidéos. Alhamdoulilah pour ceux qui les voient. Parce que quand je vais sortir, vous n'aurez pas peur, vous saurez que c'est moi. Inch'Allah. Donc, comme je vous dis que Sia c'est le 19-9-1981, c'est le 9-19-9. On en revient. Regardez, vous allez comprendre. Sourate 19, verset 9. Voilà. Allah lui dit, ainsi sera-t-il ton Seigneur a dit ceci mais facile. Et avant cela, je t'écris avant que tu n'étais rien. Ainsi à ton Seigneur. C'est facile à faire pour moi. Je t'écris avant cela et tu n'étais rien. C'est ainsi ton Seigneur a dit. Cela est insignifiant pour moi. Je t'écris auparavant alors que tu n'étais rien. C'est tel que ton Seigneur l'a dit. C'est une chose facile pour moi. Et je t'écris avant quand tu n'étais pas une chose. Il a dit c'est ainsi, c'est comme ceci. Il a dit ton Seigneur lui dit il sur moi et en effet provenant de quiconque parmi avant et jamais il y a le moindre chose. Il y a la moindre chose. Vous voyez, ça, c'est le signe de la date. Maintenant, nous allons regarder la suite qui est... Ben non, puisque le 19-9 revient en double, deux fois. 19-9, 19-80, ça veut dire 19-9 encore. Deux fois. Allah m'a fait revenir deux fois en tant que homme et là, en tant que femme. Mais c'est très dur à comprendre pour certains. Donc, pourquoi la reine Elisabeth? On en vient à elle maintenant. Funérailles d'Elisabeth de le 19 septembre. Donc, elle veut se faire enterrer le jour de mon anniversaire. Une mort pour une vie. Que va-t-il se passer d'ici là? La date des funérailles d'Elisabeth... Deux a été dévoilé samedi 10 septembre dans un communiqué publié sur le site officiel de la famille royale britannique. Elles auront lieu le 19 septembre. C'est-à-dire qu'elle attend 11 jours pour se faire enterrer. À Londres, d'ici là, dépouille de la reine va quitter Balmoral. Le moral de Bal. Bal, c'est Belzébuth, je l'ai dit. Pour être exposé au grand public. C'est le lundi, jour de la lune, 19 septembre 2022, que le monde entier va accompagner Elisabeth. Je dis qu'Elisabeth, ça veut dire aussi Elsie. Sauf que ça, ils ont rajouté le mot bêta.
Dans son dernier voyage, la reine est morte le jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans au château de Balmoral. Immédiatement, son fils aîné Charles III est devenu roi. Samedi 7 septembre 2022, la famille royale britannique sur son site officiel a annoncé le détail des funérailles de la reine qui se dérouleront le lundi 19 septembre 2022. La journée est déclarée deuil national et deux. Et je vous ai parlé de double. 19-9-1981. 19-9. Normalement, on dit une minute de silence. Elle, elle a mis deux pour être le double. Vous voyez, c'est la guerre d'Armageddon, c'est la guerre des titans, la guerre des djinns que vous n'êtes pas prêts à savoir, à connaître. Ils veulent que je sorte. Daja est déjà là. Je l'ai vu. Eh oui, c'est vrai que je suis un peu malade, vous entendez ma voix, elle est enrouillée. Donc, deux minutes de silence marquées dans le pays à midi, heure locale. Pourquoi ? En référence à la reine de Saba. Je vous dis que je suis Bassa. La reine du midi. C'est la reine du midi, d'après elle. Mais quand elle va être sous terre, je ne sais pas ce qui va se passer chez moi, à la Wallen. L'époux de la reine qui avait eu le droit à des funérailles cérémoniales royales, la reine aura le droit à des funérailles d'État. Les obsèques auront lieu à Westminster Abbey où 2000 invités seront présents. Le diable a été enfermé 2000 ans, la Bible vous le dit. Donc, madame devra prendre 2000 invités. La messe sera filmée, ensuite le cortège défilera sur 35 km pour rejoindre Windsor. C'est dans la chapelle Saint-Georges que se dérouleront les derniers moments en toute intimité. Le corps d'Elisabeth de rejoindra le caveau royal. Vous avez vu? Vous pensez que ce que vous voyez, vous qui lisez vos livres, vous contentez-vous de la zakat et de la salat? Parce que ce que nous on fait et que ce que les compagnons font, d'accord, même ils ne sont pas encore réunis, ils vivent d'autre chose que vous, plus que les livres. Et oui, parce que la force d'Allah ne s'arrête pas à un livre. Je vous dis que les livres vous ont amené pour vous. Vous n'avez pas à comprendre d'adorer Allah seul. Hein? Et d'aimer la création et les créatures d'Allah, comme vous-même, parce qu'Allah a tout fait avec amour. Donc on vous envoie les livres pour vous, les bêtas, les bêtes. C'est qu'on vous envoie le book pour vous, les bœufs, ceux qui auraient pu suivre le veau d'or. Moi, je n'ai pas eu besoin de livres pour savoir qu'Allah est Allah. Je ne vous juge pas, parce que j'ai été créé pour adorer et invoquer Allah seul. C'est là. S'il n'y a pas Allah, je m'éteins, je meurs. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je sais faire d'autre, mis à part l'adorer. Hein? Donc, on continue. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Suleyman. Et voici, il y a ici plus que Suleyman. Matthieu 12, verset 42. Ça veut dire le Meta 8, 12e imam, 42 lois de la Mat. La reine de Saba a entendu parler de la renommée de Salomon en relation avec le nom de l'Éternel. Elle vint vers Salomon et lui parla de tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et Salomon lui expliqua toutes les choses dont elle parlait. 1 Roi 10, verset 1 à 3. J'ai bien vu. Bien qu'il ait vécu... Bon, ça suffit là. Bien que Jésus a dit lui-même, excusez-moi, il y a ici plus que Salomon. Donc, dans la Bible, on vous dit que il y a plus que Salomon, ça veut dire la reine de Saba. C'est la pure. Shahem. Shahem. Attendez. Je vois un truc là. Shah. Qui est hash. Soit cendre. Soit cendre. Parce que faut savoir que H, ça veut dire les cendres, ressuscitées. Bien qu'il ait vécu il y a 3000 ans, la réputation du roi Salomon est parvenue jusqu'à nous. Son règne est symbole de richesse et de prospérité. Au cours de son règne, ce roi reçoit la visite de la reine de Saba. Moi, je viens du peuple des Bassa, c'est les Saba. Ce ne sont pas tellement les richesses de Salomon qui attirent cette reine, mais sa renommée liée au nom de l'Éternel. Elle fait plus de 2000 km pour soumettre au roi Salomon tout ce qu'elle ne comprend pas. Il répond à toutes ses interrogations.
transposons ce récit à notre époque. Sans Allah, le monde dans lequel nous vivons est incompréhensible. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi l'injustice et la souffrance? Peut-être que ces questions vous taraudent et vous n'avez pas de réponse. Si nous cherchons des solutions aux problèmes fondamentaux qui agitent le monde, la lumière exclusive de notre intelligence, la plupart d'entre eux resteront insolubles. C'est bien à la lumière de la Bible, la parole d'Allah, que les grandes interrogations de notre société trouvent leur explication. Un endroit inconnu plongé dans l'obscurité peut paraître mystérieux et même inquiétant. Le mystère se dissipe lorsqu'on y introduit la lumière. Issa dit de lui-même, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Rencontrer Issa, c'est faire la lumière d'abord sur notre état intérieur et aussi sur le monde qui nous entoure. Vous voyez ? Donc, on parle bien de la reine du midi. Donc, lundi, avant midi, vers 11h58-59, commencez à mettre des prières d'Allah, mettez des rokias pour les chrétiens, mettez des louanges, invoquez l'éternel, parce que ça va être mondialement. Il ne faut pas que ça rentre chez vous, tout ça. Priez, priez, priez à ces heures-là. Il ne faut pas la minute de silence chez vous, il faut qu'il y ait du bruit d'Allah. Les marmites, tapez les marmites, c'est-à-dire que vous ne voulez pas... Plus vous allez faire des signes forts, et plus dans la vie, ces signes seront votre protection. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il n'y a pas d'hasard, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Hotep.